Ce lundi 4 septembre dans RTL Bonsoir, Louise Bourgoin a fait des confidences au sujet de l'éducation de ses enfants. L'occasion d'avouer une certaine appréhension quant à leurs éventuels reproches. Louise Bourgoin se retrouve au centre de l'attention en ce mois de septembre avec deux films à l'affiche, Un métier sérieux de Thomas Lilti et Anti-Squat de Nicolas Siliou. Lors d'une récente interview radio pour ses deux apparitions sur grand écran, la mère de deux garçons a partagé des réflexions sur son métier. Invitée sur l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1, Louise Bourgoin a évoqué les aspects moins glamour de l'industrie cinématographique. Louise Bourgoin, qui a déjà une carrière cinématographique impressionnante, n'ignore pas les aspects moins plaisants de son métier. Elle a évoqué les défis relationnels dans l'industrie du cinéma, soulignant qu'il est essentiel de maintenir une certaine distance avec les collègues, car il y a parfois des intentions malveillantes. Elle ironisait sur l'importance d'avoir une mauvaise mémoire pour ne pas se laisser perturber par les coups bas. Louise Bourgoin culpabilise de laisser ses enfants pendant qu'elle part sur des tournages. La maternité a également eu un impact significatif sur la façon dont Louise Bourgoin appréhende son travail. Elle affirmait culpabiliser beaucoup de laisser les enfants alors que son compagnon, le musicien Tepre, peut travailler de chez eux et est souvent présent. De plus, ses deux fils, bien qu'ils soient encore jeunes, ont une vision unique de sa profession, la voyant comme une dessinatrice. Louise a également révélé qu'elle permettra à son fils aîné de regarder son film culte Adèle Blanc-Sec lorsqu'il aura 9 ans, dans 2 ans. Invitée ce 4 septembre de RTL Bonsoir, Louise Bourgoin a été questionnée à nouveau sur ses enfants, et plus exactement sur leur éducation. Comment les guider dans un monde qui va de plus en plus mal? Est-ce que si est-il une question dans la vie de tous les jours que vous vous posez en tant que maman? A interrogé le présentateur radio. Louise Bourgoin imagine que ses enfants vont lui reprocher d'être actrice. L'actrice a alors admis, en permanence. Là c'était la rentrée ce matin. J'étais déjà en train de me dire que j'ai mal fait. Elle explique, moi j'ai des enfants en bas âge, ils ont 3 ans et 7 ans. Ils m'interrogent déjà donc je n'ose imaginer ce que ça va être à l'adolescence. Ils me reprocheront certainement d'être actrice, de pas être assez politisée. Sûrement de mille choses. Mais effectivement on fait beaucoup de choses par rapport au regard de ses enfants et ils nous font grandir comme on les fait grandir, conclut-elle sur le sujet.